Alors déjà les mecs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger le bordel que Sofiane a foutu. Mais non mais regardez-le, c'est cette vieille bagnole qu'il a fait. Ce cochon. Alors lui, il sait pas jouer à scrap mécanique. Sofiane, il sait pas jouer à scrap mécanique. Il sait juste faire des carrés. Il a foutu une pile sur le devant de la bagnole en croyant que ça allait booster les performances. Elle est reliée nulle part. En plus, sa pile, bah, de toute façon, on peut pas la relier. Ah, quel cochon celui-là, je vous jure. Ça va être le grand déménagement. Ce que j'aimerais bien qu'on fasse aujourd'hui, c'est s'installer, par exemple, vous savez, qu'on trouve un point d'eau et qu'on s'installe autour, tu vois. Un petit peu comme j'ai fait la dernière fois, tout simplement. Voilà. Pff, rien, il a tellement foutu le bordel de partout, le mec, j'ai même plus par où commencer. Alors attends, le maïs, on va le donner aux vaches parce qu'il reste des vaches. Putain, c'est pas possible qu'il me reste que deux bestioles, quoi. Est-ce qu'il est prêt, le Fierro? Salut. De toute façon, on va déménager. Hein. Ça fait combien de temps, les mecs, que je dis on va déménager, là? Ça fait, bah, depuis qu'on a débuté le live, ça fait 30 minutes. On a toujours pas bougé. Forcément qu'on a pas bougé, les mecs. On est obligé de nettoyer le bordel à Sofiane. T'as un masque à gaz et tout, mon gars, mais... Ah ouais, non, mais tu viens d'une autre planète. Ah oui, Sayaku. Oh, Sayaku. Mon pauvre Sayaku. J'ai démonté ta dernière bagnole pour faire cette horreur avec Sofiane. Je suis désolé, Sayaku. Mais c'est de la faute à Sofiane. Il voulait faire une bagnole essence. Moi, j'ai fait une bagnole essence. Moi, tu sais ce que je ferais bien, Luffy? Dis-moi. Une bagnole, mais un truc monstre. Pour pouvoir mettre toute la base sur la bagnole. Et les robots et tout, machin, nana, tu vois. Tout déménager. Okay. Salut, j'ai raté quoi? Bah, t'as raté 40 minutes de live. Ce qui est quand même... ce qui est pas mal, hein. On va pas se le cacher. Et si on partait tous les deux à l'aventure? Qu'on revenait jamais? Il y aurait une petite télé par ici, là ce serait le salon là, tu vois. Là derrière il y aurait notre craftbot, notre raffinerie. Il y aurait des collecteurs à la règle. Oh là là, ça y est, j'ai des projets de filles. Vite. Mettons tout ça en place. Sayaku, tu vois, il prend pas de risque, Sayaku. Hein. Il a dit qu'à 10 000 likes, les mecs, il achète scrap mécanique à tous les abonnés. Tous les abonnés. Je vais monter un petit peu la sauce, Sayaku. Hein. Je déforme un petit peu ce que t'as dit. Non. Il a dit qu'à 10 000 likes, il a acheté scrap mécanique et il le fait tirer au sort sur la chaîne. C'est Sayaku qui l'a dit, les mecs. On partirait sur une largeur comme ça, déjà. Tu vois ce que je veux dire, le fiou, quoi? Ouais, en fait, on fait un 250 mètres carrés. 250 niveau longueur. Non mais faut que la base elle tienne dedans, le fille. Tu te rends bien compte quand même. Il faut que ce soit spacieux, le fille. Il faut que ce soit spacieux. Regarde, parce qu'en fait, je t'explique. Déjà, regarde la place qu'il prend, le craftbot. Faut le traîner. Et puis attends, y a pas que le craftbot, mon gars. Quoi que, attends, le fille. On va essayer de mettre les trucs dedans. Parce que faut mettre les nains. Moi j'emporte mes vaches, gros. Hein. J'emporte les vaches, le fille. Ah ouais, non, ça va pas. Non, il faut du poil avant. Regarde. Tu pars en cabrage. Ou alors moi, en tant que chef des travaux finis, je peux mettre là. Tu vois, je contrôlerai un petit peu si le bois il coupe bien, quoi. Eh, moi, je te dis, j'annonce, Luffy, hein. On rentre pas tant que les collecteurs sont pas pleins. De toute façon, il nous faut masse de bois si on veut déménager, les mecs. Oh là là, on revient, mon gars. On est chargé comme une bourrique. Laisse tomber, regarde ça. Oh là 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 là. Oh, Luffy, elle part en roue libre. Tu avais pas perdu une voiture? Si. Parce qu'il y en a une sur une espèce de bateau. C'est pas vrai que t'as retrouvé ma jungle mobile? Ça doit être allé tout en bas. Arrête, j'arrive. Luffy, il a retrouvé la jungle mobile, les mecs. On l'a retrouvée, elle est là. La jungle mobile, elle était là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu nous fais? Ça y est quoi? Attention, je dois passer, Sayaku. Ah ben, je suis blindé. Je pense qu'on va avoir assez de bois, là. Comment on fait pour mettre le code de Jolat sur G2A? Ben, tu fais ton achat et à la fin, il y a marqué est-ce que tu as un code promotion à rentrer? Tu mets le petit code Jolat. Ça soutient la chaîne. Allez, c'est parti. Chef des travaux fini. Oh bah t'es plein là. Ouais mais pas l'arrière. Dans 12 minutes les mecs, ça va être la guerre là. On va se faire une protection d'enfer. Il nous faut des pistons, il nous faut des contrôleurs, il nous faut des interrupteurs. Ça va arriver, préparez-vous les mecs. Ça va être la plus grosse attaque qu'on ait à subir jusqu'à ce jour. Souvenez-vous. Les mecs, jusqu'à la fin. Pour la horde. Ça attaque les vaches. C'est tout. Il y a un problème là. Bah mon vieux, bah rajoute des cultures hein. Parce que si c'est que ça Y a rien de planté. Bah y'a rien de planté, bah tu rigoles toi, et regarde. Ouais, bah je pense qu'il y en a pas assez pour que ça soit aussi gros. Bah on va en rajouter. MDR, la déception. Ah ouais, la déception, mon gars. Laisse tomber, franchement j'ai trop cru. Je m'attendais à avoir un truc de ouf, quoi, tu vois. Il y a eu deux robots. Deux coups de marteau ont été donnés pendant cet assaut. On peut mettre des têtes de robots. Ils attaquent pas du tout les barrières. Ah, il y a quelqu'un qui a de la ferraille. Ils s'en battent les couilles.
Ah bah tiens, bah il a déjà commencé Luffy. Putain, là ça avance les mecs là. Là c'est un truc de ouf là. Voilà, là aujourd'hui on va déménager, je vous le dis, on va déménager aujourd'hui. Faut qu'on aille explorer Luffy, faut qu'on ramène du terreau. Il nous faut beaucoup de terreau. Beaucoup de terreau, beaucoup de bois, et beaucoup de tout Luffy. Les maïs, je donne aux vaches. À la vache, on a plus qu'une vache. On a plus qu'une vache. Et on a plus que trois petites bestioles. Ah, on a subi des pertes aujourd'hui. Je vous le dis, on a subi des pertes. On devrait peut-être faire un sandwich réanimation avant de partir. Ce serait peut-être pas mal. On s'équipe, les mecs. On s'équipe. Sayaku, on va partir en voyage. En long voyage. Okay. Tu nous reverras peut-être pas pendant plusieurs jours. C'est possible. On commence à s'équiper, Sayaku, là. Tu vas devoir garder la base seul. Tu devras être fort. N'oublie jamais ça, Sayaku. Il faut qu'on fasse un explorateur. En fait, on n'est jamais parti. On va jamais partir d'ici. Du coup, on va sûrement être là pour l'attaque, Sayaku. T'inquiète. Tout comme on déménagera jamais. Non, on va déménager. On va déménager. Tout repose sur tes épaules. Tout repose sur la maison mobile que t'es en train de nous faire, Sayaku. Putain, c'est mal barré. Avec une réponse aussi motivée que celle-ci, c'est très mal barré, les mecs. J'ai un projet. Il faut qu'on fasse un camion. Ça qui est pas encore un gros projet. Il faut qu'on le fasse, Luffy. Il faut qu'on fasse un camion Ben. Camion Ben. Et qu'on mette des vaches dedans. Vas-y, Luffy, en avant. Cette bagnole des enfers. C'est vraiment une bagnole des enfers, quoi. Oh putain, mon gars. J'ai rien pris à manger, Luffy. Rien. Même pas une bouteille de lait. Rien. J'ai des tomates, si tu veux. Ouais, je veux bien des tomates. Alors attends, on est parti en exploration à peine à 10 mètres de la baraque. Ça commence déjà à mal tourner, quoi. Je vais faire quelques bouteilles de lait. Là, voyez les mecs, regardez. Quoique c'est grand, tu vois, mais c'est grand quand même. Ça fait un point d'eau qui est très grand. Mais c'est pas mal. Oui. J'ai besoin des roues. Quand tu l'as dit ça, Sayaku, j'ai besoin des roues. C'était assez triste la façon dont tu l'as dit. Mais nous aussi, on en a besoin, Sayaku. On va rouler comment? Avec des brins de maïs à la place des pneus. Tu te rends bien compte que c'est pas possible. Il faut que tu partes à l'aventure, Sayaku, aussi. Il faut que tu viennes avec nous, hein. Si tu veux, hein. Il faut qu'on en fasse des roues, mais il nous faut du miel et tout. Hein. On va pas manquer de calcium, Luffy, hein, je te le dis. Hein. Je ramène masse de maïs, là. Il faudrait trouver une autre vache dans le coin. Ouais, il faudra en trouver une autre, parce qu'elle arrivera jamais à tout becter, celle-ci. Elle va en avoir pour 10 ans. On est en train de l'engraisser, la pauvre vache. Attends, déjà, tu sais quoi? Hop, celle-là. Voilà, comme ça, on va pas la perdre. Ah, qu'il y a un petit peu de miel, ça, c'est cool. Pas mal, le système que t'as fait, là. Voilà. Et ça consomme pas d'essence? Non. Pas mal, le système de piston. GG, Sayaku. Voilà, regarde. Mais au moins, tu vois, on pourra mettre plusieurs bestioles là-dedans. Voilà, hop, c'est nickel. Regarde ça, mon gars. Ah, ouais, il y a de l'ingénieur, là. Là, il y a de l'ingénieur. T'as de l'essence, Luffy, là? Je te vois, t'es parti, moi, là. Ouais. Est-ce qu'on prend des fruits et des légumes en même temps pour faire des caisses? On peut. Il y a de la carotte, hein. Il en faut combien? Il en faut 10 pour faire une 10 cargaison. Bah, je peux faire une cargaison de tomates, une cargaison de radis, une cargaison de carottes. Là, cette fois-ci, on est parti ramener les cargaisons. Les cargaisons de légumes. Phoenix, mais qu'est-ce que tu fais? Sors de là, mon dieu, Phoenix. Joli. Donc là, tu peux te mettre des tomates, des radis, des carottes. On a juste pas les salades. Vas-y, recule. Ouais, joli. T'es sûr qu'il en faut 10? Il en faut 10, ouais. C'est juste que... 3, 4, 5, 6, ouais, d'accord. Il nous en manque une. Et pourtant, j'en ai mis 10. Ouais, je crois que j'en ai tiré une tout à l'heure par mes gardes. Ouais, regarde à droite. Ouais, yes. Yes, on a la cargaison. Attention. Ouais. Nickel. Yish. On va pouvoir mettre ça sur la bagnole. Ça, c'est parfait. Oh là, stylé. Stylé. Luffy, regarde, viens voir. Ça va partir en roue libre. Ça va partir en roue libre. Ouais, yes. Voilà. Attends, bouge pas, Luffy. Attends, Luffy. Voilà, vas-y, Luffy. Je te guide un peu. Tout droit. Ah, ça va pas, ton truc, là. Elle est trop lourde, la bagnole. Oh, putain. Ça va, ça passe, hein. Ouais, oh là là, mon gars, cette aventure! On va peut-être bientôt pouvoir acheter des lance-patates, les mecs. Par contre, je sais pas si le fait qu'il y ait ta chaise dessus, ça va accepter. Ah, tu crois? Vas-y, essaye. On va tester, hein. Ah, si, il l'accepte. Il l'accepte. Il y a que moi qui reste là.
Ok, d'accord. Bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter, là, Luffy, là? À mon avis, rien, parce que faut qu'on achète les graines. Une caisse de carottes, 5 terreaux. Ça coûte pas cher, 10 carottes, c'est vite vu, mais bon. Et pour le lance-patate, du coup, il nous faut des oranges et des mûres, ou des mûres. De la salade ou des ananas? Allez, ouais. En avant, Luffy. En avant, c'est toi qui conduis. En avant, Luffy. Et c'est toi qui conduis. Pouette, pouette, pouette. Il m'a dit le fait. Avec son beau taxi. Pouette, pouette, pouette. GG, on est presque arrivé. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est arrivé. Impeccable. Déjà, je vais boire une petite bouteille de lait pour fêter ça. Sayaku, il dit rien. Ah, mais Sayaku, il dit rien, mon gars. Mais il bosse. Et qu'il a pas le temps de parler quand c'est comme ça. Sayaku? Mmh. T'es où? Ici. Ah bah tiens, regardez-le. Je vous le dis, il dit rien mais il bosse le mec. T'inquiète, regarde, regardez. Hein? Il dit rien, Sayaku, il dit rien. Bah ouais mon gars, il dit rien. C'est qu'il a pas le temps de parler le mec. Il est sur un projet. Oh. Ah tu vois? Voilà, regardez notre base mobile. Ça avance, Sayaku, ça avance. Hein. Et là, si tu veux faire demi-tour, là, admettons, là, je te demande, Sayaku, fais demi-tour, ramène le véhicule au garage. Okay, tu... Comment tu fais la manœuvre? C'est ça qui m'intéresse. Ah merde, j'ai rentré. Ah ouais, mon gars, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'est bien ce qui me semblait. La remorque est buggée. Bah les mecs, je vous le dis, on n'est pas arrivé au bout de nos peines. Oh putain, oh la vache. Là, sur ce côté-là aussi, il faut un roulement. Bah non. Ah bah non. Ok, c'est moi, ma veille. Laisse parler entre conversation de mécano. Moi, je m'éclipse. M'éclipse de quelques mètres. Ouais, c'est bon, là, c'est... là, ça parle pro, là. J'écoute avec une oreille attentive. Hein. Ça parle joint de culasse, pompe à eau, piston. Là, je suis... Ah ouais, c'est bon, ça marche. Il m'a largué, le mec. Je crois que le problème, c'est quoi que, cette diablerie, mon vieux Quelle est cette diablerie, quoi? Il te manquerait... Non, moi, je pense qu'il te manque deux réacteurs. J'ai juste deux réacteurs, en fait t'as besoin que de deux réacteurs, un ici et un à l'autre côté, tu vois. Et là, crac, ça va te donner une pulsée, tu vois. Moi j'aurais pas vu un truc comme ça, moi. Moi je vais te dire, moi, ce que j'aurais vu, la fille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moteurs, 8 roues motrices et 4 directionnels, 4 propulseurs. Mon gars, je peux te dire qu'on aurait déjà déménagé. On serait parti là-haut sur la lune, là, tu vois. Voilà. Alors que là, avec les pistons, on avance, tu vois, mais... Ah ouais? Cette bagnole des enfers, mon gars. Putain. Oh là là, ça marche bien, mon gars. Hein. Wow! Ça part en roue libre, mon gars. Là, avec les colis, à mon avis, ça va être incontrôlable. L'impression que je suis à l'avant du Black Pearl, mon vieux. Deux colis de tomates. Deux colis du Fierro. Un troisième? Ah ouais. Oh, putain, j'ai loupé le troisième. Ah ouais, mais tu vas beaucoup trop vite pour moi. Oh putain, ça part en roue libre. Là, on est chargé comme une mule, mon gars. On est chargé comme des bourriques, les mecs. T'es sûr qu'on va réussir à aller chez le marchand? On va y arriver. Je vais augmenter juste. Ça va? Ça passe, hein? Ça passe, faut augmenter un peu les suspensions, mais ça passe. Oh là là, les wheeling, mon gars, ça part en wheeling total. Oh ouais, ça fonctionne, hein? Ouais, il y a un équilibre, je sais pas d'où il sort, mais il est là, hein? Ouais, il est là, je sais pas d'où il sort cet équilibre, mais il est là, je te dis, on l'a bien chargé. Franchement, on l'a bien chargé. On se retourne pas, hein. Prends tout ce que tu peux comme élan. Appuie sur le plancher, la fille. Appuie. Je cale mon siège, vas-y. Je fais contre-poil avant. Eh, c'est bizarre. T'as l'air, elle partait pas à ce point-là. Ah ouais, ah mais je sais pourquoi. Quoi, T'as trop mis à l'arrière. Je suis pas assez lourd à l'avant. Je sais pourquoi. Vas-y. Ah, ça se casse la gueule. Donc on peut échanger des graines d'orange. Orange et strawberry, ouais, les deux. Ok, voilà. C'est et là, bon, maintenant, je les ai prises. On va les planter, on va faire pousser. On aurait dû mettre deux roues à l'avant. Tu sais, une de chaque côté, sur ta trois roues. Une trois roues avec deux. Ah, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Dire, ouais, histoire d'être un peu plus stable. On pourrait, là, Luffy, hein. Voilà.
Ça, c'est pas mal. C'en est où, ce projet de base mobile, là? Ça avance pas, là. On peut commencer à la charger. On commence à charger. Alors, là. Alors, ils sont où, les mauvaises langues dans le chat, là? Je veux voir toutes les mauvaises langues dans le chat. Levez la main, là. Ceux qui ont dit, ouais, ça avance pas, ça déménage pas. Allez, les mecs, on leur monte, là. Je sais pas, moi, je déménagerai pas tout de suite parce que, de un, elle est pas finie, faut faire les murs. Et comme une maison, moi, je déménage. Déménage pas dans une Dis pas ça, hein. Dis pas ça, Sayaku, pas après ce que je viens de dire. Okay, pas après ce que je viens de dire. On déménage. On déménage. Et faut faire un truc derrière pour les vaches. Est-ce qu'on a du bois? Faut aller couper du bois. Écoutez, on va couper du bois et après on déménage. Non, là, faut aller couper du bois. Là, par contre, on n'a pas le choix, les mecs. Allez, direction la base, let's go. Oh là là, c'est chaud, mon gars. Oh là là, oui. Laisse tomber. Le truc, c'est un bateau. Ah, putain, bah, y a plus d'essence. Bah, tu m'étonnes. Faut mettre du maïs dans la remorque. Mais c'est trop grand, là, ton machin, là. Non, c'est bien. Ah oui, voilà. Non, c'est là. Voilà. Ok, faudrait mettre du maïs dans la remorque. Ça y est, les mecs, ça y est, on déménage. C'est parti, on déménage. Eh, hey, regardez, les vaches font bouger la voiture. Ouais, un peu, ça va. Ça, c'est un peu ça. Mais regarde ça. Mais c'est rien, ça. Ouais, c'est okay, quoi ce bordel? Vas-y, ferme. C'est la collision entre les vaches, en fait. Mais il faut bouger la voiture. Ah, bon. Ça va pas. On pourra pas la poser sur le lift, hein, vous êtes au courant. Oh là là. Je crois qu'on va Bah non, mais attends, on peut pas laisser les vaches ici. Et là, mon gars, on est parti. Voilà. Là, on peut habiter sur notre base, les mecs. On peut habiter sur notre base. Attends, si on fait ça comme ça. Luffy, la remorque. Arrête, Sayaku. Sayaku fait une marche arrière. Et si on faisait comme des chevaux de trait, on mettait toutes les vaches ici et le maïs devant. Aide-moi, regarde, il y en a d'autres. Il y en a au moins 4 là-bas. Vas-y, laisse-la rentrer. Vas-y, je ramène une autre. Tasse-la, tabarnak. Chris de Calis, que tu la tasses, la vache. Elle avance, hein. Elle avance, les mecs. Mais en plus large, parce que là, il y a plus vite que les vaches. La bagnole, elle avance. Oh putain. Attends, c'est un moyen d'avoir des fifis, ça. Elle avance. Il y a une vache qui a volé en l'air. Elle a volé, tiens, la revoilà. Jolade, c'est comme avec les suspensions, elle avait explosé les finances confetti. Ah ouais, mais sauf que t'en as plus qu'une, tu vas trop vite pour elle, la pauvre. Et vas-y, non, la fille, hein. Monte, la fille. Attends, il faut voler une. Let's go, la base mobile, mon gars. Putain, elle est bien, notre base mobile. On est à fond, là, les mecs. Bon, hormis qu'on arrive dans 10 ans, c'est jouable, là. Là, si tu la descends... Ah si, il me faut un moteur, par contre. Pourquoi? Ah bah, pour aller chercher ma jean mobile, il me faut un moteur, il me faut des pneus, il me faut tout, mon gars. Ok, bah, on y va avec ça, au pire. Ah, ça avance quand même. Quand même, hein. Oh là là, mon gars, regardez ça, la base mobile, quoi. Allez, ah vas-y. ouais, ça va bien. Allez, vas-y. T'as vu quand qu'il fuse. Comment qu'il fuse avec la base mobile? Putain. Et moi, j'ai des vieilles roues de merde. Flash McQueen, mon pote. Flash McQueen, la base mobile. Ouais, mais c'est normal que tu vas vite, gros. Tu vas refiler des roues de merde, moi, regarde. Ma bagnole, elle tient pas le choc. La plaine à côté du lac. Et regarde, il y a une, deux et trois bases de raid. Ici, où est-ce qu'on est en ce moment, il y en a trois. Je suis pas convaincu par cet emplacement de nouvelles bases. Écoutez, franchement, Dites-nous tout ça, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Va prendre le miel, pas où est-ce, pas le prendre, où est-ce qu'on va se poser encore. J'hésite. Là, je suis en pleine hésitation. Si vous avez kiffé, bien sûr, oubliez pas le petit like, hein. Oh là là, énorme la base mobile. Énorme cette base mobile. Sayaku, il t'aura fait du bon boulot, Sayaku. Yeah.